Salut mon bœuf, comment ça va mon stuff? Mon bœuf, mon ref, mon kef, mon budge, mon chef. Alors aujourd'hui c'est en spec. Yes sir! Voilà, je suis avec Billy. Ouais, Billy? Salut, c'est Billy mon œuf. Oh Billy! Ça va? Oh, ça va? Ça va? Oh, je suis avec Billy. Bah, oh, mon œuf préféré, bon. Attends, mon œuf préféré. Tu redeviens Billy. Hop. Bon, mon œuf, est-ce que vous avez cru sur l'intro que c'était Lukum ou c'était Billy là? Dis-le moi en commentaire. Normalement, il m'a bien refait. Normalement, mon œuf, tu dois me dire si là c'était vraiment l'imitation parfaite. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est en spec. Là, en fait, on fait l'intro en fin de vidéo. Non, faut pas dire. Ah merde, non, on a rien du alors, tout. Non, coupé, on va faire la séance spec. On va faire la séance spec. On l'a pas du tout faite juste avant. Voilà. Et bon, on est parti, mon œuf, let's go. Bon, mon œuf, on est parti pour le premier exercice. Un chest press allongé, je suis content parce qu'il y en a une ici. Billy, est-ce que t'es content de réaliser cet exercice? Très content de voir Lukum. Donc là, aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que je vais faire moins de séries que Billy parce que vu que je vais retaper une séance samedi, donc voilà, je vais m'adapter. T'es chaud là? Chaud, mon œuf. Let's go, mon bœuf. Hein. On est parti pour la première série de travail. 2, 3, lâche. Ok. Ouais, une. Ah oui, vraie amplitude, ok. 2 pouces. 3 pouces. Allez, encore 2 minimum. 4 pouces. Encore. Allez, oh. 5 pouces. Là, je sais pas si le micro. 6 pouces. Encore une, Billy. Une, tu l'as, tu vas la chercher. Allez, fort, pousse, je te touche pas, t'inquiète. Pousse. Allez, encore. Voilà. Ok. Là, c'est l'échec. J'ai pas de montre. C'est incroyable. Tes impressions? Ça va. Combien, 7? 7 reps. Ah, c'est trop cardio. Les yeux tout rouges. C'est trop cardio, on va augmenter. En vrai, ça va, hein. Tu vois, au début, je te dis 2,5, mais non, t'as mis 65. Bravo. J'ai peur que tu fasses comme Anas musclé. Bravo. Tu faisais 3 reps. Par contre, j'espère que le micro, tu le défonces les oreilles, en vrai. Parce qu'il était collé à toi. Je pense qu'on va l'enlever. Parce qu'en fait, vu que t'as la chaîne, ça bouge dans tous les sens, pas grave. Donc là, mon œuf, je vais faire ma montée en gamme, moi. Et on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, ça sera sur moi. Mais non, mec. Quoi? Il manque un 5. Vas-y, moi j'ai mis là. Tu l'as pas enlevé là? Non. Mais attends, mais t'as pas remarqué pendant ta série? Non. Je suis plus fort à droite. Attends, mon œuf, il y a un truc de fou qui vient de se passer. Voilà, moi j'ai mis là-bas, il a pas mis le 5. Il avait 65 d'un côté et 60 de l'autre. Cosette-toi, ça. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Mais moi, je savais pas que c'était montable de faire. En fait, il y a trop de trucs à penser parce qu'on doit mettre les cales, on doit les enlever. Moi, ça me perturbe. Mais du coup, attends, t'as même pas remarqué que. Non, j'ai pas senti. Mais parce que je suis plus fort à droite. Parce que mon œuf, pendant qu'on fait les séries, moi je mets le disque de 2,25 pour pas trop descendre. Attends, j'appuie en même temps. Ah, excuse-moi. Non, mais non, mais c'est moi en fait, quand t'as tiré, je poussais en même temps. Ah, d'accord. Et du coup, là, tu mets combien là? Je vais remettre 65. 65 vraiment cette fois-ci? Ouais, mais j'ai peur que la gauche. Moi, c'est pas grave, je vais remettre 65. On va voir. De toute façon, j'ai pris plus que 5 minutes là. Donc, automatiquement, je préfère 6 là. Non, en vrai, là, t'as 5 minutes pile là. Là, je suis à 5 là. Pile. Là, t'as 5. J'ai une horloge dans ma tête en vrai, je sais exactement 65. 2. Une pouce, fort. Voilà. 2 pouces. Encore. 3 pouces. Encore 2 minimum. 4 pouces, pouce. Encore une. Allez, oh. Allez, fort, de toutes tes forces. Fort. Pouce. Allez, pouce. Pousse. Allez, gros. Oh merde. Je t'ai fait rire. J'ai fait quoi? Pousse. Bravo. Putain, il manquait ça. Je pas. Mais en fait, la fin, c'était compliqué. Bravo. Courage. Mais vous avez vu, quand il fait ses séries de travail, ce qui est intéressant, c'est que tu restes une seconde en bas. La chose que je ne fais pas moi, tu vois. Ça, encore une fois, c'est une question de préférence personnelle, tu vois, pour standardiser tes répétitions. La dernière fois, j'ai fait 7 reps. 7. Aujourd'hui, objectif 8 ou 7, on ne sait pas. 8 sans lever le cul, les amis, attention. Ah ouais, ça c'est autre chose. Ah, allez. 2. 3. Allez, mon gars, allez. 4. 5. Encore une en moins. Allez. 6. Encore une. Tu l'as. Allez. Dérouille. Ah, dommage. C'est vrai, Penny. Ouais. Il a régressé, du coup.
Bah du coup, on me remet en question. J'ai pleuré, mon œuf. Mon œuf, comme t'as pu constater, j'ai fait 0,5 crêpes de moins. Bon, j'ai une excuse. Bah, il est pas dans la même salle, il est à Paris. Non, ouais, c'est ça. Mais je pense que je suis beaucoup moins focus, genre. Je sais pas. Après, j'ai pas mes élastiques. Ouais, aussi, ah oui. Les élastiques, tu sais, normalement, je mets les élastiques sur le banc pour vraiment être stable, stable de fou. Mais là, c'est bon, je vais pas. Mais bon, ça va, je suis content. Tu racontes pas, de toute façon. Non, avec moi. J'en fais encore une, moi. Vas-y. Troisième. Allez, c'est parti, mon œuf, pour la série de billes. Let's go. La semaine, normalement, tu fais cet exercice en deuxième exercice dans ta séance, non? Pas du tout. Ah, tu le fais pas du tout? Ah, oui, c'est vrai, tu m'as dit en plus. C'est pas grave. Pourtant, il est bien cet exo. Allez, à toi, objectif, combien de reps? J'ai fait 5, 4,5. 4,7. Et là, objectif aujourd'hui. J'en fais 5 de chaque côté, 7. Je vais faire 7, hein, je pense. 7 reps. Allez, à toi, mon œuf. Allez, une. Deux, pouce. Trois, pouce. 4 pouces. Ah. Encore. Aïe. Pouce. 5. Ah. Allez. 6 pouces, 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 pouces. Encore une. Ah. Encore une minimum. Allez. 7 oh. Ah. Pouces, 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 pouces. Allez, 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 fort, 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 encore, 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 encore. Je pense que tu peux arrêter la poulet. Parce que là, ça sert à rien de tenter. C'est ça, c'est ça. Attends, on va dire. C'est quand je le sens, je peux lever le cul. Tu vois ouais, ouais. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'il a arrêté ses séries parce qu'on savait très bien que là, bon, si t'allais continuer, t'allais avoir une demi-rêve. Tu vois, là, le but, c'est pas de tenter pour se cramer. Tu vois, déjà, l'échec, c'est très, très fatigant. Et si tu vas vraiment faire une rêve pour faire une demi-rêve, ça sert à rien. Vaut mieux ne pas la faire, tu vois. Bref, je pense que moi, je vais arrêter la poulet. Je fais qu'une seule série, ouais. Non, non, mais je te jure, parce que vas-y, ça me fait. Là, je suis pas bien. Vas-y, on va faire quoi comme prochain exercice? Développeur incliné à la Smith. J'ai jamais fait ça. Lui fait des écartés poulie basse. Ouais. 4 reps. 4 reps, toujours minimum, mon meuf. Ah, je suis mort là. C'est cardio. Bah attends, t'as, c'est cardio, mais t'as fait combien de reps? J'ai fait 6. 6 reps? Tiens le micro. 6 reps, c'est cardio? Bah alors, Billy, c'est quoi ça? C'est grâce à Loukou, maman, je fais entre 8 et 12 répétitions. Il faut créer la léger flex au niveau du coude. Voilà, on tend les coudes. Alors qu'il a pas de tendinopathie. Non, là ça va, j'ai rien. Avant, ouais. Ah, je suis très souffert. Ouais. Bon, mon œuf, on passe directement au prochain exo. Ouais, il fait chaud. Moi, ça va. Bon, après, j'ai fait. Toi, t'as fait 3 séries. Enlève. J'en ai fait qu'une seule. T'as de charte, le bardeur. Je suis tout nu, moi, en saut. Ouh, à 10 000 pouces bleus. À 45 000 pouces bleus, on va y aller, on va pas décharger parce que. Ouais, on décharge pas, ça sert à rien. On passe directement pour le prochain exercice, let's go. Et salut à toutes, est-ce que vous m'entendez bien? Les petits chats? Pas trop proche, pas trop proche. Ah, pardon. Alors, Développe. À toi de jouer. Arrête de me couper la parole. Pardon. Je suis stressé déjà, me regarde là. On va faire du développé semi incliné à la Smith Machine pour travailler la partie claviculaire des pectoraux. Et puis voilà, donc on va mettre, je vais mettre 35 kg de chaque côté, je vais faire 3 séries de travail. Et puis voilà, je vais bien standardiser avec les sécurités. Donc je vais toucher ma poitrine une seconde. Une montée rapide, la montée doit devenir lente involontairement. La vitesse de la face concentrique. Putain, j'irais beaucoup. Rien à signaler. Rien à signaler. Et puis. Moi j'ai fait ma montée en gamme, mon œuf, et Billy il m'a mog là. Ah là, je vais le mog là. 75 kg, il pèse 4. Je pèse 98 kg. Oh non, 87. 37. Non, mais en vrai, la 30, j'ai fait 30 kg à monter en gamme, c'était super dur. Ouais. Et toi, t'as fait 30 tranquille. Non, je fais 2 reps. Mais... Donc voilà. En plus, je pense que c'est plus dur ce que tu fais parce que tu perds la. Enfin, c'est sûr, tu perds l'attention, mais tu perds l'inertie aussi, tu vois. Moi, je fais ça, donc j'ai toujours l'inertie, toi, t'as pas. Vous allez voir les reps de Loukoum, il va pas toucher les pecs. Je t'aide à l'enlever ou ouais, pas? Ouais, s'il te plaît. Vas-y. Bon, on est parti du coup pour la première série de Billy. Let's go, mon bœuf. C'est bon. Une. Fort, 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 fort. Ah, salope. Là, c'est dur. Deux. Allez, pousse, 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 pousse. Ah, là, c'est dur, là. Allez, gros, donne tout ce que t'as, là. Allez, tu me fais 4 reps minimum. Pousse. 3. Pousse, 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 pousse. Je pense que tu devrais arrêter la bille. Ouais. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, ok? Elle me fait rire, le coup. Allez, vas-y, je te la redonne. 2, 3. Bon, lâche. Allez, on reprend la série. Pousse, 4. Encore. Allez. Pousse. 5. Encore, encore, encore. Fort, 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 fort. Encore une, tu l'as tout seul, Billy.
Allez. Pousse. 6. Pousse. Tu l'as tout seul. Fort. Encore. Je touche pas. Encore. Okay. Allez, fort. S'il te plaît. Non, je rigole pas. C'est ça qui me faisait peur. Tiens. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette série ? Ah, égolift, hein. Non, en vrai, ça va. Bon là, du coup, ce qu'on a, tu vois, moi, je voulais pas que t'arrêtes forcément la série là, tu vois. Ah, tu fasses 3 reps. Le but, par exemple, si un jour si tu foires ta série, tu fais 3 reps comme Billy, moi, ça m'est arrivé souvent. Bah, le but, c'est que tu continues ta série pour toujours avoir ces répétitions stimulantes. Là, le problème, c'est que t'allais avoir que 3 reps et c'est pas vrai. Et n'oublie pas, c'est les 4-5 dernières répétitions qui sont portées à l'échec musculaire, qui sont les plus stimulantes pour l'hypertrophie musculaire. Oui, ah, c'est toi, Lucoum. Laisse-moi finir ma phrase. Pardon, c'est vraiment les 4-5 dernières où vous aurez le plus de tension mécanique, qui est le facteur numéro 1 pour l'hypertrophie musculaire. C'est impressionnant. J'ai l'impression de me voir là, mon œuf. Coupez, mon œuf. Alors, normalement, je fais en premier exo la Smith Machine. Je mets 39 kilos de chaque côté. Sauf que c'est pas la même Smith, je m'entraîne pas à Basic Fit, je m'entraîne à Dieu. À la coco, tu vois. Tu vois, t'es soufflé, mon œuf. Ouais, du coup, automatiquement, vu que c'est pas la même Smith, t'as pas la même cour de résistance, enfin, c'est différent, ouais, du coup, t'as pas la même, du tout la même charge. Pareil pour la chest press allongée, mon œuf. Moi, t'avais des bouts de machine qui étaient en moins, t'as pas d'élastique. Enfin, tu vois, t'as plein. Tous ces petits détails font que tu peux pas avoir la même série effective que si tu l'avais réalisé dans ta propre salle où t'as exactement la même machine. La machine n'est pas autant usée, tu vois. Donc, t'as pas de point de friction, on va dire. Donc, automatiquement, bah, c'est rien à voir. C'est le jour et la nuit, comme tu peux le voir sur la série de Billy. Bref, on passe directement pour ma série de travail. Là, on va faire 30 kilos pour c'est moi. Bon. Et je sais pas du tout combien de reps je vais faire. Tu mets toujours pour la première ? Ouais. T'as fait. Il a fait une série de chauffe à 30. 30 fait, c'était dur. Ouais, il a fait 2 reps, donc là il va refaire 30, mais il a bien récupéré. Ouais, là j'ai récupéré 9 minutes de repos, toujours 9 minutes de repos sur ces exercices. Mon œuf, tu vois, Billy, c'est la seule personne, enfin c'est une des seules personnes, tu vois, quand je fais des feats en général sur YouTube, qui s'entraîne très très dur, tu vois. Et bah là, Billy, je t'annonce que tu es la personne qui s'entraîne le plus dur en fait. Oui, Lucoum, oh Lucoum. Coupé. Les gens nous regardent, vas-y. Vas-y. Tu peux lâcher. Ah, allez. 2. 3. Allez, va la chercher, tiens, encore. Allez, 5, mais encore. Allez, encore une. Dernière. Je suis là. Allez. 6. 7. Allez, tu l'as. Allez, pousse. Ça c'est un comédien, vous avez vu ou pas? Vous avez vu la 5ème rep quand elle était lente et la 6ème était rapide? En fait je sais pourquoi, parce qu'en fait quand il s'arrête à la parallèle. Et la parallèle c'est la position la plus difficile, donc automatiquement. Tandis que moi je suis en dessous de la parallèle et forcément je grade un peu plus. Vous avez compris ou pas? Mon œuf en fait, tu vois. Là tu vas me critiquer, mais Lucoum il fait des demi-reps, c'est inadmissible. Non en vrai tu vois sur la chest press allongée, vu que j'ai l'habitude de pas trop descendre en bas, j'ai pas envie de prendre le risque, surtout que c'est un exercice que je ne fais pas habituellement. C'est un exercice où je mets lourd, tu vois, je fais du 5 reps, enfin lourd à mon niveau. Et donc automatiquement si j'essaye de descendre tout en bas, je touche la poitrine avec la barre, pardon, bah j'ai une chance de me déchirer les pecs beaucoup plus facilement parce que je suis pas habitué à faire cette fourchette d'amplitude, tu vois. Donc automatiquement on veut même pas prendre de risque et se péter que faire le mec, oui je touche, c'est bien et cool. Oui c'est sûr que c'est stylé quand tu touches en vrai. Comme Billy a une vraie amplitude, après on n'a pas la même morphologie, tu vois, la taille de ses avant-bras et les miens font 4 mètres de long. Moi je trouve qu'ils sont longs aussi, mais... Mais oui, ils sont longs pour toi, ouais. Tu vois. Mais par rapport à ma morphologie, moi qui suis géant, automatiquement mon envergure entre mon humérus et mon avant-bras est beaucoup plus long que toi, ouais. Tu vois. Plus ma cage thoracique est étroite, elle est pas épaisse, donc automatiquement si je vais en bas, bah tu peux voir, hein, je casse vraiment la parallèle. Là t'es pile à la parallèle. Voilà, je suis pile à la parallèle. C'est pour ça que t'as du mal à grind. C'est ce qu'il faut. Bon bref, là c'est à toi de jouer. Ouais, je vais garder 30. Enfin je vais baisser à 30. 30 ? Ouais. T'es chaud ? J'ai pas mis de chrono. Hein ? J'ai pas mis de chrono. Ah merde. Moi je pense que ça fait 5 minutes là. Hein. Minutes. Allez, let's go mon œuf pour la série de billets. Ouais, une. Encore. 2 pouces. Pouce. Allez gros. 3. 4, pousse, 5, encore 2, minimum. Allez, 6, pousse, fort, encore une, allez, 2, ouais. Pousse, 7, voilà, allez, encore une, tu l'as tout seul. Allez, pousse, fort. Allez, fort. Encore, tu l'as tout seul. Vas-y, rack. Ah, je fais trop de reps. 8. T'as fait 8 reps là, t'as fait du cardio là.
Mon œuf, Billy, il a fait du cardio, mon stuff. Attends. En fait, je suis comme. T'en as pensé quoi là? 8 reps, c'est trop. Ouais. 8 reps, c'est. En fait, parce que moi, j'ai un tempo qui est assez lent. Je contrôle genre 2-3 secondes. Je marque une pause en bas, donc. Ouais, niveau cardio, ouais. Ouais, en fait, il faut avoir un bon temps sous tension. De 30 à 70 secondes, ta série 40, de durée. 40, hein, 40 pardon, excuse-moi. 40 à 70 secondes. Vas-y, parle, je suis fatigué. Mais là, c'est bien ce qu'il fait, parce qu'il standardise bien ses répétitions. Et moi, je devrais faire la même chose sur la chest press allongée, mais je suis un flemmard et je suis un ego lifter. Donc, dans les pas. Commentaires, non, parce standardise que si, tout. Si je dois restandardiser comme toi la chest press, c'est-à-dire que je baisse au moins, j'enlève 10 kilos. C'est comme les jambes tendues. Non, mais je vais chialer là. Comme les jambes tendues, vous rappelez. Ah ouais, c'est les jambes tendues. Internet, j'ai arrêté. Vous rappelez. Du coup, là, je vais faire ma deuxième série. J'ai fait combien? 8? Ça va, 8. Non, mais ça va, t'inquiète. Un quart de 8. De toute façon, la fourchette pour l'hypertrophie, c'est 8, entre 8 et 12. 6 pour la masse. 6, ah oui, 6 la masse. Bon bah, on y go pour ma série de travail. Ah, je peux pas vite crever. Mais si, tu mets sur ta montre comme ça. Hop. Allez, let's go, mon œuf. Vas-y. Ok, c'est bon, lâche. Ah. 3. Allez. Oh. 4. Allez, va chercher. Allez. Enfin, encore 2 au moins. Tu l'as. 6. 1. Tu l'as, mon gars. Encore. Allez, tu l'as. Encore une. Va la chercher. Encore. Pousse. Ok. Oh putain. Il fait 9 reps là. Trop de reps, mon gars. Attends. Il y a un truc qui cloche. Ah oui, parce qu'il a fait 8 reps pour la première. Il peut pas toucher en bas. Non, automatiquement, si vous faites 8 reps à la première série, vous pouvez pas refaire 8 reps. Et encore, il a fait 9 reps. C'est pourquoi j'ai fait 9 reps. En fait, le problème, mon œuf, c'est que si tu vois, j'ai fait 9 reps, une rep de plus, c'est à cause de quoi? À cause d'un manque de standardisation. Ça te montre à quel point c'est important. Parce que là, mon amplitude, c'est impossible de voir si je suis bien ou pas, je descends assez. Alors qu'avec Billy, sa standardisation, elle est nickel, tu vois. Incroyable. Parce que tu touches en bas, ouais, t'es incroyable aussi comme garçon. Comme la chest press allongée, là, elle était parfaite. Donc voilà, c'est ça le problème en fait quand tu standardises pas, c'est que voilà. Tout à l'heure peut-être je suis descendu un peu moins, un peu plus et voilà. Je sais pas. Ah, c'est pas la même 6 machines qu'à la semaine dernière. J'ai fait pas assez de chest. Ça aurait pu être une bonne excuse, mais. Comme le développé militaire. Comme le chest press allongé aussi qu'on a fait aujourd'hui. Bon, du coup là t'en fais encore une. Encore une dernière. Moi j'arrête là, j'en fais que 2 là. Et donc c'est à Billy. T'es prête? J'ai fait combien? J'ai fait 8 reps, c'est trop. J'augmente un peu de 25. Tu peux mettre. T'as fait 8 reps? Beaucoup j'ai fait, ouais, 8 reps. Mais après là je vais faire 6. Ouais, 6. Moi, c'est bon. Allez, let's go, mon bœuf. Dernière série, on a rejeté 2,5 kg de chaque côté. Non, on est 2,5. On est des gourmands. On vise automatiquement entre 4 et 8 répétitions. Hein, parce que c'est vraiment les dernières répétitions. J'ai déjà dit. Les dernières répétitions. En ça. Allez, mon œuf. En ça. Tout ça, tu connais pas ça, toi? Ah, je connais pas. Cette expression de jeune. On n'a pas dit ton âge, on le dira. Je pense qu'on le dira au début. 42 ans. 42. Attends. Ok. Allez, une pouce. Encore. Voilà. 2. Pouce. Encore. Pouce. Parfait, gros. Encore. Pouce. Allez, pouce. Encore. Six. Allez, fort. Je suis encore une, Billy. Faut que tu t'énerves, hein. Allez, fort, explose. Fort. Encore. Allez, fort, tout seul. Ok, let's go. Bravo. Les trapèzes. Pourquoi t'es trapèze? Le mec, il fait les pecs, il sent les trapèzes. Non, parce que je suis comme ça en Y. Alors, cette série de travail? J'ai fait quoi, 7? T'as fait 7 reps. On va monter encore pour faire 5 reps. Attends, ça veut dire que tout à l'heure, t'as fait 8 reps? Ouais, mais j'ai pris au moins 7 minutes de repos. En fait, on part. Ouais, là, c'est vrai qu'on a fait 25 minutes de temps de repos, là. On part, les... Bon bah c'est bien, bravo. Merci. Bravo. Donc ouais, là on passe directement. Trois séries pour On passe au pec fail là. Ouais. Mais je n'ai même pas vu s'il y en avait un. Je pense qu'il y en a un, j'ai pas regardé. J'espère qu'il y en a un. Obligé. Les poulies, on a mis du temps à les trouver. Ouais. Parce qu'on est dans une salle, mon œuf, c'est un labyrinthe. Genre what the fuck, la salle t'as jamais vu. Bon, on passe directement pour le prochain exercice, let's go. Et celle-là, tout ça, toute. Oh, passe pas devant mon champ là. Excusez-moi monsieur. A butterfly, pec deck inverse. N'importe quoi. Allez, on fait l'arrière d'épaule, mon œuf. Pec deck, ça va être avec 93 kg, on va faire deux séries, enfin je vais faire deux séries, on va faire une série.
Donc exercice à forte tension. Et mon œuf, tu sais que dans cette séance, j'ai 4 séries. C'est ça, ouais. Non, mais en vrai, c'est pour ma défense, je refais une samedi, tu vois, de séance. Donc ça me fera. Samedi, je refais une séance à 4 séries, je vais pas faire autant de séries. Comme ça, ça fait 8, c'est très bien. Tout. Ouais, la vie est belle. Ouais, moi, je fais 8 séries en tout. 3, parce 3, que 2. Lui, son jour de pec, c'est aujourd'hui de base. Ouais. Donc ça va, ça change. Alors, moi, mon jour de pec, c'est pas aujourd'hui. Normalement, c'est une séance bras que je fais. Mais pour Billy, je change toute ma programmation et demain, du coup, il y aura pas de vidéo, mon œuf. Demain, y a pas de vidéo. Parce que je vais faire quoi dans mon lit là. Bon, donc c'est parti. T'es prêt, mon bœuf? 93, j'avais fait 6 reps, donc c'était pas la même machine. Mais bon, voilà, elle est différente. De toute façon, quand tu changes de salle, même si c'est les mêmes marques, même truc, il y a plein de trucs différents. T'as vu ses cuisses, mon œuf? Bon, pas. Bah oui, je pense qu'on voit. J'ai jamais vu des cuisses aussi énormes de ma vie, mon œuf. Allez, à toi. Le vie, il fait pas de poser une cuisse. Mettez dans les commentaires. Vu la taille de mes fémurs, j'ai trop peur, mon œuf. Allez, à toi de jouer. Une. Allez. Deux. Encore. 3, fort, allez haut. 4, pousse, encore. 5, pousse, encore. C'est facile la vidéo. 6, fort. Allez. 7, fort. Encore. Ça va être là ou pas? Allez, dernière. C'était sûr. En plus, la 7ème, c'était comme ça. C'est plus dur quand t'es en contraction, donc c'est impossible. La 7ème, t'étais comme ça, mais c'est pas grave. Non, sérieux? Tu fais de l'égoïsme comme Luco. Ah oui, t'étais pas comme ça. Hein. Si, j'étais comme ça. Sérieux? C'est un peu comme ça, comme ça. Tu regarderas le. Sérieux? De toute façon, sur cette machine-là, si t'es à l'échec, automatiquement à la fin, tu peux pas être parfaitement. Ah, je pensais que j'étais vraiment. Bah, tu regarderas le rush. Vas-y. Du coup, bah, c'est ma série de travail, mon œuf. Attends, on fait pas de cut parce qu'on est trop des fous, nous. Ouais, faut régler parce qu'il fait avec 88. 3. Le bougle. Là, en bas. Tac. Attends. Ok, c'est bon, mon œuf. Allez, c'est parti. Attends, je me suis toujours pas mis en débardeur. En fait, je vais pas mettre en débardeur à côté de Billy. Tu peux te mettre là ou là, comme tu veux, on voit dans les deux cas. Voilà, on voit. Fluide, gars. Allez, mon gars. Dernière série de travail, et première. Première et dernière série. Une. Allez, c'est léger, hein. Deux. Allez. Trois. Ben. Allez, encore. Là, touche bien, hein. Yes. Allez, cherchez. Encore. 5. La 6ème, elle passe. Touche. Oh. 6. Encore une. Allez, chercher. 7. Encore une. Allez, touche. 8. Allez. Touche. 9. Encore. Allez, mon gars, allez. Ouais. T'as moins d'être charmant, moi je vais plus loin derrière, mon gars. Ah ouais? j'ai plus de pec. Ah, c'est bon, il rapproche bien les coudes. 4 séries, mon œuf. 4 séries, une séance pec, ça suffit. Non, mon œuf, ne fais pas ça. Ne fais pas la séance que j'ai faite. Là, je vois vraiment son grail en temps réel. Ça me procure des sensations. Billy s'entraîne très dur, mon œuf. Je pense que tu as pu constater sur les séries. Ouais. T'en avais pas une de plus sur toutes les séries qu'on a faites. Ouais, après, je prenais beaucoup de temps de repos. Je prends pas autant. Non, on a pas 5, le choix, on parle. Là, on prend 7. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Du coup, tu fais ta dernière encore série. Une série, ouais, dernière. Et on va faire un super set mollet, mon œuf. Hey, il fait des mollets en solaire. Et à chaque fois, vous avez vu, il fait des extensions tristes. Voilà. Des extensions mollets. Comme ça. Du coup, il travaille ses solaires, c'est parfait. Ouais, tout est calculé, mon œuf, dans la programmation. Ouais. Allez, à toi de jouer. Vas-y, go. Et salut à tous. Coucou les petits chats. Allez, dernière série. On va regarder la même charge, hein. J'ai fait quoi, 7 reps, là? Attends, faut attendre qu'il finisse, tu feras un cut. Ta serviette, mon œuf. Wesh! Regarde le truc! Mon œuf, n'hésite pas si tu veux. Je sais pas comment on appelle ça, une poignée. Je te la mets là si tu veux. Ça marche pas. Tu vas? Allez, à toi de jeu. Oh, je suis à 5 minutes de repos là. En vrai, j'en prends 3. Allez, c'est bon. Pense à bien ramener les coudes. N'emmenez pas vos mains comme une coupe. Une. Deux. 3, 4, 5, rapproche tes coudes. 6, encore. Allez, 7, pousse. Allez, fort. Allez, gros. 3, mes mains après. Est-ce que t'as de bonnes sensations? Ouais, je suis en même. T'as une bonne connexion cerveau-muscle? Ouais, mais faut que je fasse des séries de 20, mon gars. Série de 20, ouais.
Bon, bah, mon 9, on passe directement pour. Le posing jambe. Non, non, pas posing jambe. Let's go, mon 9. Bon, posing avec Billy. En fait, il n'y a pas de miroir donc. Bluff, cuff, ouais, j'ai une crampe. Des kékés, on attends, a des kékés. On fait ça en même temps. Ouais, toi, t'es gaucher. Ah non, attends, c'est t'as comme ça. T'arrives pas, toi. Ah non, c'est comme ça que je fais. Bluff, cuff, ruff. En fait, il faut que tu casses le poing, mec. Comme sur la chest press. Et du coup, je me mets comme ça. Tu tournes. Est-ce que tu sais faire ça, mon bluff, qui fait ça? Attends, je regarde. Dos, dos. On a pas fait le dos. Fais ça. C'est ça. Toi, tu vas avoir trop de chibou in shape. Pourquoi? Parce qu'il fait ça. Attends, double biceps. Ah, oh, j'ai une crampe. Il y a un mec qui rentre. Oh. C'est bon? Oh. Ah, tu sais pas faire ça, mon gars. Vas-y, c'est bon, là. Keuf. Meuf. Allez, à toi, les jambes. Regarde ces jambes, mon neuf, c'est impressionnant. Mmh. Donc, c'est du béton armé, tes jambes. Touche pas, mon gars, t'as ouf. Bon, mon neuf, on s'est posé dans un petit resto. Qu'est-ce que tu as pensé de cette... C'était un plaisir c'est énorme et sec. Boum. Non, tu t'es trompé sur YouTube, là, c'est pas ça. Non, vraiment, neuf. Ouais. Non, c'était bien, c'est sens classique. C'est ce que je fais d'habitude, c'est juste que... plus de setup à faire. Non, parce que c'était pas la séance qu'on fait d'habitude. Enfin, en fait, fallait soulever, fallait mettre ces cales là. Ah ouais, parce qu'en fait, il est dans un endroit. On peut pas la même taille, donc automatiquement, il y a tout à switch. Donc c'était. Et porter, mettre. C'est vrai que c'est un bordel. Ouais. Mais bon, en vrai, c'était une bonne séance, on s'est bien amusé. Après, doit développer. Après, c'est classique, hein. C'est ce que je fais d'habitude. En fait, moi, je fais d'abord développer incliné, après, je fais un développé couché à la Smith. Je garde la même Smith parce que je suis un gros flemmard. Ah oui, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est du coup, il m'a appris d'être un flemmard. Ne faites pas ça, mon ne sois pas un flemmard. Du coup, quand dans la vie de tous les jours, ben, j'y suis un flemmard. Et du coup, on mange quoi là? Parce qu'on avait la flemme. On mange un gros kebab. Non, c'est pas vrai, mon œuf. Moi, j'ai pris une salade parce que c'est diète. So diète. Lui, il a mangé un kebab, donc moi, j'ai ma salade. De toute façon, on va vous filmer tout ça. Coca zéro parce qu'il n'y a pas de sucre, mon œuf. Coca zéro, la base. Et voilà, bon, moi, j'ai pensé la séance était bonne, bon, 4 séries. Hein. Non, en vrai, ça va, j'ai bien kiffé quand même. Tu vois, je me suis bien poussé à l'effort. Bon, je l'ai pas compté dans ma programmation, du coup. C'est normal, en vrai. J'ai pas compté. Moi aussi, j'ai pas compté parce que je m'entraîne pas dans un basic fit le mardi. Et c'est pas la même spi, c'est pas la même. Ouais. Tu vois, c'est trop différent quand tu changes de salle, même si c'est les mêmes machines, il y a plein de trucs qui changent. Tu vois, les machines étaient dégradées dans la salle où on était. Ouais, c'était bien ou pas là? T'as aimé la salle? En vrai. J'avais été. En vrai, bah, moyen, oui. Ouais, t'es éclaté. Éclaté, tu penses? Ah, éclaté. En fait, les Matrix, moi j'aime bien les machines. Non, c'est pas ça, c'est l'envergure, genre en haut, en bas. Ah oui, c'est vrai, c'est un labyrinthe, toi, c'est vrai que pour trouver. On faisait des allers-retours dans la salle. Ouais, pour trouver la poulie, on a mis 10 minutes. Trop serré. Il n'y a pas de miroir aussi. Ouais. Pour se regarder, comme ça, on s'embrasse. Pardon, excuse-moi. Des gros grinds. J'espère que n'empêche vous, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. La prochaine fois c'est Billy qui vient à Brive, là où j'habite. Wow, délire. C'est vers où Brive? C'est à la campagne. Vers Toulouse. Vers Bordeaux. C'est long, elle habite. Il y a des moutons, des vaches, mon œuf, c'est un truc de fou furieux. Mais sinon ouais c'était une bonne soirée. Bon là on se voit, on se fait plaisir. Après l'effort, le réconfort mon œuf. Tu stresses? Ouais, c'est bon. Et voilà, t'as quelque chose d'autre à dire? Bah franchement, je suis très content de rencontrer Loukou. Ouais. Franchement, moi c'est mon idole. Ouais. Hein. Ouais. Comme si vous voyez Chris Bernstein. Chris Bernstein. TNS, Chris Bernstein. Et qui d'autre? C'est tout. Ah. Sam Soulek. Paul Carter. Paul Carter, toujours, il dit des. Mais c'est des Américains. Je connais pas. Tu parles anglais? Non. You don't speak English, Billy? En fait, il parle bien anglais. Il fait genre, ouais, je peux parler anglais. Il parle hyper bien. Je suis bilingue. Je suis trilingue. Pourquoi je serais content et. Voilà, hein, c'est un bon gars et arrêtez de critiquer, là, il a pas un mauvais physique. Mais personne ne me critique sur YouTube, il n'y a que des œufs qui m'aiment bien. Ouais. Si, non, oui, ça c'est vite fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'as vraiment beaucoup de force. Ouais. Je le kiffe, mon gars. Pour le quartier. Aidez-moi s'il vous plaît, les poulets. Ah, mais en vrai, c'était une très bonne séance. Merci Billy d'avoir fait le voyage pour moi. Parce que tu devais faire deux cours collectifs, il les a pas fait pour toi, tu vois. Arrête pas qu'il regarde la vidéo, les jeux. Ah oui, c'est vrai, t'as dit quoi? Non, je pouvais pas, c'est pas grave. T'as dit que tu pouvais pas, pourquoi? Non, je devais faire 3h45 de cours, mais j'ai fait que 2h15 parce que. Enfin, ça, on prend le temps de manger, oui. Parce qu'il est coach sportif de base. Mais attends, présente-toi. En fait, on t'a pas présenté à l'intro. Je m'appelle Billy Boost. Billy voilà. Boost. Et voilà, je suis coach sportif diplômé du BPGEPS AF. Donc, je n'ai pas de ce métier de la forme. Ouais. Là, je parle comme toi. T'as combien d'années de pratique? J'ai eu mon diplôme en 2019. En fait, j'ai raté une année. Donc, on va dire expérience 2017, on est encore en 2024. Et donc, 7 ans de pratique. Et je suis officiellement diplômé en 2019. Donc, 5 ans.
C'est beau. Voilà. Et depuis que tu t'entraînes dur, dur ? Non, en vrai, je m'entraîne dur depuis juin. Même pas un an. Depuis que tu m'as rencontré. En fait, depuis que ouais, les frères Gallois, les Doukoum, vraiment... The Prep Dad. Arrête. En vrai, avant, je m'entraînais genre classique, tu vois, 6-12 reps. En fait, à chaque fois, on disait, ouais, faut garder une rep en réserve. Du coup, moi, je m'arrêtais une rep, tu vois. Tu t'arrêtais 2, 3, 4, voilà, 5, exactement. En fait, le problème de se dire, oui, je garde une rep en réserve, c'est que t'en gardes pas qu'une seule, t'en gardes 2-3, et surtout pour les personnes qui savent pas gérer leur intensité. C'est pour ça que je préfère dire, va à l'échec, plutôt que dire, garde une rep en réserve, et au final, t'en gardes 3-4, tu vois. Ouais. Donc, et c'est le problème de la plupart des personnes. C'est très intéressant ce qu'il dit. Moi, je vous conseille de le suivre vraiment, vraiment. En fait, ce qu'il m'a appris, c'est quoi ? C'est tout ce qui est l'adhération. L'adhération, ça dit ? L'adhérence. Ah, pourquoi ? L'adhérence, c'est la plus importante. L'adhérence, moi, je connaissais pas tout ça. Donc là, vraiment, je kiffe entraîner. Je fais des exercices que je kiffe, même s'ils sont pas optimales, n'est-ce pas ? Bon, soit là, la séance aujourd'hui, oui, très bien, mais je veux dire, voilà, je fais pas. Dans voilà, si tu kiffes faire une fourchette de répétition, voilà. Tu kiffes faire ça. En plus, j'aime bien faire des répétitions courtes. Ouais. En fait, là, je suis comme beaucoup. Genre, plus de 8 reps, ouais. C'est dur. Franchement, j'étais choqué parce que la vidéo qu'on a faite aujourd'hui, Billy, honnêtement, tu es l'une des seules personnes qui t'entraîne vraiment dur. Après, on n'a pas fait de séance jambes encore. Mais je regarde tes vidéos. Non, d'ailleurs, ça va, allez sur son Instagram, Billy-du-bas-boost. Voilà. Allez lui donner de la force. Tu postes souvent des vidéos en plus. Ouais, je mets mes entraînements. Mais en fait, je mets pas trop parce que j'ai pas de musique dans mes oreilles. Eh oui, il peut pas faire le truc. En fait, j'ai un iPhone 8 Plus, lui, il a un iPhone 13, il est très riche. Non, mais c'est surtout que tu peux pas appuyer sur le bouton et faire le glitch. Genre pour filmer en même temps que t'as ta musique. En fait, ça met des photos. Genre. Il y a plein de photos. T'as pas un vieux Samsung qui traîne ? Un Samsung ? Samsung. 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 Samsung Galaxy. Non, en vrai, c'est trop pratique ça quand t'as un hôtel pour filmer, pour écouter ta musique. Ouais. Donc, Et du coup, ils sont très durs. Ouais, j'essaie en tout cas. C'est en jambes, faut tester. C'est en jambes, je fais de la presse à cuisse comme beaucoup. Je mets les pieds. Non, je fais pas de presse à cuisse. Oui, toi avant. Avant, ouais. J'ai pas de hack squat. En Thaïlande. Je suis petit donc. Vous avez vu quand il descend sur hack squat, il est vraiment très sous la parallèle. Très en dessous de la parallèle. Putain, ouais. Ouais, c'est mes fémurs de gigantesque. En plus, je vois les commentaires, ils disent ouais, tu décolles les talons, faut pas faire ça. Ouais. Tu lis toi ? Hein ? Tu lis. Sur YouTube, y a pas de personnes comme ça, si. Sur Instagram et TikTok, y a que des gens comme ça. Ouais. Mais non, mais YouTube, c'est des personnes intelligents, on va dire. Tu vois, ils me connaissent donc automatiquement. Ouais. Ah, je vous conseille d'acheter ces programmes. Bon, j'ai acheté ces programmes, mais j'ai pas encore regardé. Il regarde pas lui. Lui, c'est le genre de mec, il a acheté. Il a acheté parce qu'il a réduit. Non, mais la plateforme, il me presse. Il me dit ouais, il y a les 10 programmes. En plus, je t'ai dit un petit truc après, si ouais, tu prenais pas de site. J'ai pas encore acheté Hyper Biomécanique, ça. Ouais, Biomécanique. C'est le dernier ? Ouais, la dernière. Ah, et peut-être sur la nutrition. Ouais, il va faire la nutrition. La nutrition, ça prend beaucoup de temps. J'ai commencé, mais. Non, mais ça, je vais acheter direct. Je vais pas le lire, mais je vais regarder. Tu vas la regarder au moins, l'information ? Je sais pas, mais ça m'intéresse. Même non, mais la nutrition, ça intéresse beaucoup de monde. Ah, du coup, tu vas être spécialisé hypertrophie et nutrition. Non, en fait, mais je vais pas rentrer dans les détails. Tu vois, si tu fais un truc nutrition, c'est les bases pour que les personnes sachent quoi faire, tu vois. Mais ça va demander plus de travail que prévu. Non, tu vois. Donc je vous conseille, hein. Il a changé ma vie là, ce garçon. Je l'ai payé 500 euros pour qu'il dise tout ça. Pas, même pas. 500 balles. Je te paye 500 balles. Okay. Ouais. Après, avant, je faisais un PPL push pull legs, mais j'ai arrêté parce que. Ouais, tu fais un bro split maintenant, toi. Ouais, c'est en fait, fou. Je préfère, je préfère. T'as vu, c'est bien le bro split. Avant, je faisais les jambes. Aussi. Je faisais les jambes le mercredi, sauf que j'en mets pas beaucoup. Mais parce que je pouvais pas, parce que je faisais des cours collectifs avant. Ouais, et j'avais genre Zumba et biking et ça m'éclatait les joues. Mais là, ça va, je travaille plus trop le lundi, donc je mets. Adhérence, mon gars. Ouais, adhérence. Et ouais, t'imagines quand tu fais des cours co à côté, plus. Oh ouais. Là, ça va, je fais attention. En fait, lui, il fait des cours co, mais il est intelligent. Mon œuf, si tu es coach sportif ou quoi, tu dois savoir la technique. C'est-à-dire que tu donnes les cours co en faisant rien, juste en parlant, tu vois. Et lui, c'est ce qu'il fait, le petit coquin. C'est-à-dire qu'il montre pas les mouvements, il parle juste, allez. Non, j'en fais genre. Il fait juste les débuts et après, c'est par là. Des quarts de squat. Pour pas se cramer ouais, pour ça fatigue de parler, en fait c'est de la fatigue nerveuse. Ouais, la fatigue, le fait de faire des demi-squats et tout, au bout d'un moment ça fatigue. Ouais. Bon mon œuf, on se retrouve directement pour la dégustation. On se retrouve directement dans la voiture. Pas de voiture là, je suis à Paris, y a pas de voiture. Alors on va répondre aux questions. Y a pas de questions non plus. Alors, oui d'ailleurs mon œuf, si t'arrives à ce moment-là la vidéo. Attends, mais je suis pas sûr que les gens arrivent jusqu'à là. Si vraiment mon œuf t'arrive jusqu'à là, ils mettent quoi comme commentaire s'ils sont arrivés jusqu'à là ? C'est chaud hein. Avant t'avais mis un truc de ouf, t'as mis une phrase de ouf. Bah mon œuf, ça va. Mais je suis choqué d'ailleurs. J'ai vu des vidéos. Mais oui, d'ailleurs mon œuf, je suis choqué. Merci mon œuf si t'as regardé la vidéo. Tu sais, la vidéo que j'ai postée il y a 3 jours. Oh, salut mon œuf, ça va mon œuf. Et il y a eu plein de monde qui m'ont écrit ça. C'est-à-dire que les gens regardent. Mais là, c'est la fin de vidéo là. Ah, c'est la fin de vidéo. Voilà. Non, on va montrer ce qu'on mange. Non, alors je vais mettre des likes. Non, mais je veux juste voir si les gens regardent jusqu'à ce moment-là de la vidéo. On leur dit de quoi d'écrire comme phrase. Le caca, c'est délicieux. Non. Si, mais t'as 45 ans, tu fais des blagues comme ça encore. Allez, devinez, j'ai quel âge. En plus, tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, non ? Non, j'ai pas dit. Ah. Devinez, il a quel âge ? 48 ans, il a.
Non, se raser. Tu dis quoi? Non, mais un truc. S'ils vont se faire bannir, YouTube, ils peuvent pas. Le tcha-tcha, ça va, c'est pas un gros mot. Vas-y, c'est quoi la phrase déjà? Le tcha-tcha, c'est délicieux. Ouais, là, c'est Eric Judor, mais ça, tu vois. Vas-y, mon œuf, tu mets ce message pourri là en commentaire, c'est de sa faute, c'est pas de moi. Le caca, c'est délicieux. Si t'arrives à ce moment-là, la vidéo. Et tu m'as smiley caca. Alors, deux personnes. Bon, mon œuf, on se retrouve directement pour la dégustation. Let's go. Bon, mon œuf, j'ai ma petite salade ici. Là, t'as le petit kebab de Billy. Alors Billy Bourse. Tu vas tout manger? Oh, tu me fais de prix comme ça. À la base, on devait manger diète, non? J'ai pas de micro, mec. Mais si, mais t'inquiète, on entend là. Ouais. C'est quoi la question? C'est à la base, on devait manger diète. Ouais, mais vas-y, on trouve pas. Il y a tué, mais on total calorique. Donc, je calcule pas en vrai. Purée, mon œuf, on va se péter le bide. Bon, allez, c'est parti. Du sale. Bisous, mon œuf, et on se retrouve dans 3 jours pour la séance jambes. Séance jambes. Ah, ouais, déjà? Ouais, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Il saute la séance épaule-bras. Je peux pas parce que j'ai fait pec aujourd'hui. Je sais pas. Demain, je vais pas avoir mes 8 heures de sommeil. Anas Muski, pec triceps. Obligé de faire les triceps, mon gars. Bon, allez, salut, mon œuf. Tu as un mot à dire? Salut. Le caca, c'est délicieux. Bisous, mon œuf. Ciao.